à l'unanimité et c'était un suivi de la décision du 25 janvier, que c'était encore une unanimité, pas seulement de la comité exécutif, mais de 54 associations nationales. Le même résultat était reproduit aujourd'hui. Je ne veux pas spéculer sur un rapport qui viendra plus tard dans la journée. À l'heure actuelle, nous sommes vraiment heureux que M. Nisbach soit l'un de nos représentants au sein du comité exécutif de la FIFA et je lui souhaite le meilleur.